Aujourd'hui, on se trouve sur un spot. Comme vous pouvez le voir. Tapis d'herbier de partout, de partout, de partout. C'est typiquement le genre d'endroit délaissé par bon nombre de pêcheurs. Du coup, c'est un très bon plan pour tenter de débusquer quelques poissons. Délaissé justement par... par la plupart des pêcheurs, car c'est des milieux extrêmement compliqués à pêcher. Alors pour ça, j'ai choisi de... Il y a plein de leurres qui passeraient. On aura de la frog, etc. Le soleil est déjà très haut. Je suis pas certain que la frog pourrait donner quelque chose. Mais bon. Moi, je préfère ça. Un jig muni d'une palette. Uniquement une palette, il n'y a pas de trailer. Celui-ci va se mettre en action directement à la tombée de l'eau. Et ainsi, je vais pouvoir pêcher toutes les trouées. Toutes les trouées. Et comme il est muni d'une brosse, du coup, je ramènerai beaucoup moins d'herbier qu'avec un chat à palette, par exemple. Et voilà. Et étant donné qu'il a la palette, il va vibrer. Il va vibrer et mettre des flashs. Et c'est tout ce que je veux pour le brocher. Voilà. Bon, on va essayer de faire quelques poissons. On verra bien ce que ça donne. Et voilà, petit poisson. Bon, il était petit, mais ça compte. Voilà, et petite tirée au milieu des herbiers. Et premier petit poisson. Bon, c'est pas gros, mais l'action est marrante.
pas venu pour rien celui-là. Et voilà, un petit gigapalette et un bébé broché des herbiers. Double T. Il est beau. Par contre lui, ah il a pris cher. Allez, retour. Retour du tout. Ok, cool. Comme vous pouvez le voir, ce spot est submergé d'herbiers. Il y en a partout. Il y en a absolument partout. Il n'est pas évident de pêcher là-dedans. Tu dis qu'à palette, ça fonctionne hyper bien dedans. Il s'anime à la tombée de l'eau. C'est exactement ce que je recherche pour ce type de spot. On va pas viser 50 mètres. Il s'occupe juste de les trouver, exactement comme ce petit poisson. Une grandine au milieu des trouées d'herbier. Il s'anime directement à la descente. Comme il est muni d'une brosse, j'accroche beaucoup moins d'herbier. Et je peux pêcher juste à la tombée de l'eau. Dès qu'il rentre en contact avec l'eau, ça pêche. Pas beaucoup de leurres qui sont efficaces dans ce type de spot. Le gigapalette en est un. C'est vraiment un super leurre pour ce type de spot. Comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace pour pêcher. Je me suis excité tout seul sur un flash de palette. Pareil. Ah, j'ai fait peur. Il est là, il est là. Ah, il a eu peur. Alors vous demandez certainement pourquoi j'anime aussi violemment mon spin jig dans les herbiers. Alors il y a plusieurs raisons à ça. Alors tout d'abord, ça va me permettre de déchirer vite et bien les herbiers. En l'occurrence là c'est des élodés, enfin ça y ressemble. Donc des herbiers assez tendres, avec des bonnes tirées, j'arrive facilement à les déchirer. Je ramène très rarement des herbiers sur mon leurre. Et deuxièmement c'est pour émettre beaucoup de flash et beaucoup de vibrations au milieu des herbiers. Car même si je ne passe pas proche du poisson, il me détectera de loin. Par curiosité ou agressivité, il viendra voir ce que c'est. Après, il prendra ou pas. Ou il aura peur, comme le petit de tout à l'heure. Mais bon,
C'est pour l'instant la technique avec laquelle j'ai fait sortir pas mal de poissons. Ouais, du coup, je sais pas si c'est le pattern, mais on continue. Enfin bref, on y retourne. Oh non! Non! Ah vache! Et voilà, je rate le plus beau poisson de la session pour l'instant. Une belle attaque, tout vu en live. Bref. C'est le jeu. Comme je le disais juste avant, celui-là je le vais arriver de loin. Il a vu les flashs, les vibrations de la palette. Et il est arrivé comme un dingue. Il a éclaté mon jig. Malheureusement il s'est mal piqué. Et je le décroche. Et je le chibre comme une chèvre. Bref. On en a d'autres. Bon ben voilà, c'est ici que se termine cette session. Le soleil est trop haut. Il est presque midi et demi. Il fait beaucoup trop chaud maintenant. Du coup on va se rentrer. Puis on se revoit pour une prochaine session. Très vite.